Et salut tout le monde, c'est Spico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la suite de Star Wars Battlefront 2. Cette fois-ci, on se retrouve dans l'espace, dans le vaisseau. Alors, je sais pas ce qu'on va faire, donc c'est parti, let's go! Cette destruction montre le vrai visage de la rébellion, et c'est pour ça que nous battons depuis. Ouah! Voilà. On a essayé de leur faire peur, on les a juste mis en colère. C'est chaud à bouger, hein? On m'a dit un jour que les rébellions se fondaient sur la haine. Depuis, j'en suis convaincu. Comment est-on censé combattre ça? L'Empire évoluera. Comme lorsque la première étoile de la mort. Quel espace pour tirer? On s'adapte. On meurt. Le H, je ne sais pas quoi ça sert. Commandant, on a un problème. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le Corvus a été endommagé par l'explosion de l'étoile de la mort. Les machines sont touchées, mais l'équipage les répare. Demandez les coordonnées du ralliement à l'amiral. Je capte des signaux de vaisseau à l'extérieur. Merde! Ah, attendez. Dirige l'énergie des boucliers pour faire redémarrer les moteurs. Commandant, chasseur en approche. Les bombardiers, okay. Défendez le campus, il n'a pas de bouclier. Ouah, c'est chaud, patate. Ouah! Je peux tirer de partout, je sais pas où je vais. Oh là là, c'est chaud patate, j'ai pas l'habitude de jouer avec des vaisseaux. Hein. Oh. Ah, j'en ai un. J'ai fait deux. Ça devrait les calmer un peu. Ces bombardiers mettent le corpus en pièces. L'équipage a besoin de temps pour réparer les moteurs. On va vous le donner. Agent Nico, allons nous occuper de ces bombardiers. Non, putain, c'est tarpin chaud. On a les coordonnées du ralliement, mais l'équipage a besoin de temps pour réparer les moteurs. On va vous le donner. Agent Nico, allons nous occuper de ces bombardiers. Ah. Ok, bien. Bien pour vous. On me tire dessus. Ces bombardiers mettent le corpus en pièces. Commandant, j'ai besoin d'aide pour abattre ces bombardiers. Le leader ne tiendra pas face à ces Y-Wings, commandant. Les voilà. Moteurs seront bientôt prêts, commandant. D'autres bombardiers en approche sur mon radar. Oh shit. Je peux lui dire adieu. Ok.
Et... voilà, c'est pour ça. Moteur opérationnel, commandant. Juste à temps. Agent Nico, rejoignez le Corvus. Je vous suis. Commandant Versio, dites à votre vaisseau de se replier. Et rejoignez-moi. Là, c'est quoi du coup, c'est... Chef, ordre confidentiel, commandant. Je vous briferai personnellement. Bien, amiral. Escouade Inferno, l'amiral et moi, nous vous rejoindrons plus tard. Compris, commandant. Vous vouliez me voir, amiral ? Approchez. L'empereur est mort. Qu'allons-nous faire maintenant ? Nous allons riposter, commandant. L'Empire va s'attaquer à la fondation même des convictions pathétiques des rebelles en leur propre force. Alors, Eden ? Qu'est-ce qui leur donne une telle force ? L'espoir. Correct. La présence de ce messager est un grand honneur. Un honneur que je veux partager avec ma fille. Amiral Versio, le moment est venu de commencer l'opération Cendre. Résistance, rébellion. Sédition. Nous ne saurions laisser ces concepts persister plus longtemps. Vous êtes l'une des nombreuses flammes qui permettront de réduire en cendres ces idées dissidentes. Suivez mon messager. C'est lui qui vous conduira jusqu'à votre cible. L'opération Cendre est le tout dernier souhait de notre cher empereur. Mais aussi le premier pas vers un futur stable. Inferno est essentiel à sa réussite. Quelle est la cible ? Vous n'êtes pas habilité. Cette information attendra. Pour l'instant, voici vos prochaines missions. Elles sont singulières. Mais nous vivons une époque singulière. Allez, commandant. Faites notre fierté. Dans le cadre de l'opération Cendre, nous sommes envoyés au chantier naval de Fondor. Agent Ask, vous et moi, nous récupérons des satellites expérimentaux pour le destroyer stellaire Dauntless et assurons la sécurité du Moffret. Agent Miko, le Corvus est à vous. Commandant, nous contrôlons les satellites. Beau travail, agent. Le Moffret a informé l'amiral que l'opération Cendre peut se mettre en marche. Attention, attention. Des vaisseaux rebelles ont pénétré l'espace de... Protéger ce destroyer stellaire. Allez. Vite, interceptez la corvette ennemie. Sur votre position. Merde. Agent Miko, attaquez ces vaisseaux rebelles. Oui, commandant. Le Corvus est à l'approche. Ne la lâchez pas. Putain, mais c'est pas évident. Hein.
Attends, on va s'éloigner un tout petit peu. Forceur de blocus détruit. Alors. Commandant Versio, ici le boss Wright. Des canons ioniques rebelles ont désactivé le Dauntless. Commandant, nombreux transports rebelles en approche du Dauntless. Ah, mais j'ai des missiles maintenant. Okay. Ils veulent voler mon vaisseau. Abattez-les avant qu'ils ne m'atteignent. Vous m'entendez? Compris. Chasseurs, en formation sur les transports rebelles. Empêchez-les d'aborder le Dauntless. Je les abattrai. Wow. Il fait une manœuvre d'esquive. Détruisez-le avant qu'il puisse aborder. À moi. Il y en a encore deux qui fouillent la station. Arrêtez-les avant qu'ils trouvent un moyen d'entrer dans mon vaisseau. On s'en occupe, chef. Agent Ask, suivez-moi. Oui, commandant. Hop. Ok. Vaisseau rebelle détruit. Quand on en aura fini, on devrait attaquer le croiseur rebelle. Et comment je fais ça, agent Ask, avec un vaisseau désactivé? On va trouver quelque chose, chef. C'était le dernier. Le Dauntless doit rétablir son alimentation. Nous devons détruire ces canons ioniques rebelles. Bien, commandant. Après, nous devrions exterminer les rebelles. Sauf votre respect. Une fois les systèmes en ligne, vous devriez partir avec les satellites. Comme un lâche! Certainement pas. Agent Ask, je serai mis en approche. Putain, c'est pas vrai ça. Commandant, je suis pris en chasse. Chasseur ennemi à 0-17. J'arrive. Donnez-moi une fenêtre de tir. Je vais la tirer dans la station. Commandant Versio, il est toujours là. Mais bon, mais... Ouah, merde. Ah putain que c'est chaud patate. Putain, mais c'est tarpin chaud d'entrée. C'est une horreur.
Wow. Ouais, mais je peux pas sortir. Oh putain. J'aborde le vaisseau ennemi. Agent Ask, rejoignez-moi à l'intérieur lorsqu'on vous en ordonne. Jusque-là, courez d'un trait. Oui, commandant. Mourir, sortez-moi de là. Ok, c'est bon. Enfin, on va pouvoir tirer au pistolet. Putain, à chaque fois, c'est... C'est quoi là? Oups. Yes. Tu peux me pirater ça? Ask, j'ai atteint la baie d'Armona. Merci. Je m'approche de votre position. Attends, je peux passer comme ça? Non. Lance un piratage, s'il vous plaît. Je peux passer par là. Ah ouais. C'est l'empire. Localisation des ennemis. Un petit coup d'électricité, ça ne fait jamais de mal. Oui, pirate-moi ça. Voilà, je l'ai oublié. Ah. Ok. Je peux équiper un truc. Bah, on va mettre ça. Lorsque vous avez un ennemi mêlé. Ouais, non. Protège. Ok. Droïd, surcharge les cryocellules. Ça ne fallait pas les annoncer. Ouais. Commandant, je suis là. Couvrez-moi. Dès que la cryocellule sera vulnérable, je pourrai la détruire. Ça devrait faire taire ce qu'elle en pense. Compris. Les soldats ennemis. Attention, c'est équipement lourd. Putain. Chier. Putain, on serait mort beaucoup de fois dans ce jeu-là. Reprends. Alors attends, on va ramasser ce truc. Non, c'est pas ça. On va poser la petite tourelle là. F2. Attention ! Droïde, surcharge les cryocellules. Ça ne
peut-être allégera les canons. Commandant, je suis là. Couvrez-moi. Dès que la cryocellule sera vulnérable, je pourrai la détruire. Ça devrait faire taire ces canons pour le moment. J'ai compris. Ah, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Ça là, il est derrière. Okay.
ne doivent rien savoir de nos intentions lors de l'opération Sang. Nos intentions? C'est-à-dire? Maintenant plus que jamais, la puissance est le seul moyen d'obtenir la paix. L'amiral Versio purgera la galaxie, commandant. Il lui rappellera qui commande vraiment. Commandant, chasseur en approche. Détruisez ces vaisseaux! Quel vaisseau? Si on arrivait à neutraliser ce croiseur, on en apprendrait beaucoup sur l'ennemi. Les rebelles n'ont rien à nous apprendre. Adopter leur faiblesse, c'est aller vers l'échec. Exactement, Agent Ask. L'ordre ne règnera que lorsque nous soumettrons la galaxie. Parfait. Les satellites seront bientôt en sécurité. Où allons-nous déployer ces satellites? Cessez de perdre du temps en questions inutiles, commandant, et libérez mon vaisseau. J'aime bien détruire cette machine, là. Eh merde! Putain... C'est pas évident de le détruire. Apparemment, l'empereur y aurait entreposé des artefacts qui pourraient être utilisés contre nous. En raison du danger qu'il représente, l'amiral souhaite un déploiement minimal. Une escouade, un seul agent. Tel, en temps normal, j'accomplirais cette mission moi-même. Mais vos compétences techniques pourraient s'avérer utiles pour pénétrer dans le bâtiment. Allez-y, localisez l'observatoire et détruisez tout ce que vous y trouverez. Doit cacher quelque chose de spécial. Tu restes ici, R2. Leurs scanners ont sûrement dû nous repérer. Ok, cool. On a un putain de Jedi. Ah, bref, t'as compris. Bon, avant de faire cette mission-là, on va s'arrêter à là. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Bientôt. Allez, ciao.